Rebonjour à tous. Bon, voyez le nom qui est inscrit dans l'équipe des Rouges, celui qui joue Mario. Serait-ce un joueur professionnel? Le joueur qui joue d'un que j'ai déjà vu jouer d'un Dr. Mario dans l'une des vidéos de Zéro. Zero. Ali. Mais sans que j'ai déjà vu en vidéo sur YouTube, puis c'était l'une des vidéos de Zero, qui a fait l'analyse de Dr. Mario. Puis j'ai vu apparaître à un moment donné son nom, qui joue Dr. Mario. Alors, je me demande si ce joueur-là est parmi l'un des joueurs professionnels de Super Smash Bros. Pour 3DS ou bien Wii U, un des deux. Si c'est le cas, pourquoi a-t-il abandonné? Parce qu'il s'est fait lessiver. Et pas qu'un peu. Et disons que celui qui joue Sonic, ben, il joue n'importe comment. Et comme que je peux le redouter, c'est que il va peut-être avoir l'intention d'attraper ses adversaires ou de les saisir. Bien souvent qu'on le pense. Regardez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je te trouve très, très craintif, Ellie. Ah ouais, gêne-toi pas pour me frapper. Ah ouais, viens. Viens-t'en. Oups, plus 2 pour moi. Attention, qu'est-ce qui va arriver ici? Oh, quelle malchance ici. Bon, ben bravo, Wawisa. La chance est avec toi ici. C'est pas temps de faire des moqueries, je pense. Toi, tu veux t'amuser à attraper le monde, ben, il doit être servi sur un plateau. Et voilà. Et vous voyez, je l'ai juste saisi une fois, puis ça m'a donné un KO. Que c'est beau. Là, vous voyez, là, il y a comment. Il y a pratiquement. Il s'est pratiquement plus forcé après. Le joueur. Vu qu'il savait que la partie était finie d'avance. 4 points. 5 points vendus. Avec quoi en plus? Contre un Mario et un Sonic. Dans le top tiers. Ben bravo. Puis bien joué, Wawisa. Et regardez comme que je vous le disais. Encore une fois, quelqu'un a quitté après le match. Puis ça, c'est la suite à mon no foul. Et c'est un match aussi à 7 points pour moi et Wawisa. Tu m'as bien aidé, merci. Et moi, c'est un no foul à 5 points avec Falco. Puis Ali, ben, n'a pas réussi à percer. Comme moi, quand je réussis pas avec Dracaufeu, je chute 3 fois. Comme qu'il vient d'arriver à lui. Il vient de passer un mauvais quart d'heure. Mais faut pas être mauvais perdant pour ça. Malheureusement.
Bien essayé quand même. T'sais, vous voyez, ça prend pas grand-chose, hein, pour mettre quelqu'un KO. Des fois, tu fais juste le saisir une fois. Smash Meteor fini. Mais c'est-tu nécessaire de le faire à tous les coups? Moi, je dis que non. Parce que sinon, ça serait comme spammy avec son personnage. Fait que je préfère mieux diversifier mes coups par ensuite, comme que j'ai fait. Puis ça a donné que Sonic, ben, décadé, il a chuté à la fin. Puis ensuite, ben, je me suis occupé de l'autre Mario avec un smash arrière dans les airs. Et oui, avec un coup de pied dans les airs, puis ça m'a donné un KO de plus. On peut dire que c'était pas sa journée à Ali. Donc la question que je me pose, est-ce que ce joueur est un joueur professionnel? Si oui, j'aimerais avoir une confirmation, s'il vous plaît. Car il n'était pas à son meilleur. Loin de là. On se rejoindra pour une prochaine vidéo.